Le prince Harry et Meghan Markle pourraient bientôt se retrouver en concurrence directe avec le prince William et Kate Middleton dans leurs actions caritatives aux États-Unis, une perspective qui ne ravit pas la duchesse de Sussex. La devise bien connue de la famille royale britannique, « ne jamais se plaindre, ne jamais se justifier », a longtemps dicté le comportement de ses membres. Pourtant, depuis que le prince Harry et Meghan Markle ont choisi de prendre leur distance avec l'institution en janvier 2020, les tensions sont devenues palpables. Annonçant leur souhait de devenir financièrement indépendants et de vivre une vie plus tranquille outre-Atlantique, ils ont surpris la monarchie en diffusant une simple publication sur Instagram. Leurs espoirs de continuer à servir la reine Elizabeth II à leurs conditions ont été refroidis par le refus de la monarchie, les obligeant à tracer leur propre chemin aux États-Unis. Depuis lors, le couple a exprimé son ressentiment à travers diverses plateformes médiatiques, notamment lors d'une interview avec Oprah Winfrey, dans un documentaire Netflix et dans les mémoires du prince Harry. Ils y décrivent une famille royale rigide, où le roi Charles III et le prince William sont présentés sous un jour peu flatteur. Malgré ces révélations, le palais est resté silencieux, fidèle à sa ligne de conduite traditionnelle. Selon des informations récentes, le prince William et Kate Middleton envisageraient d'étendre leurs activités caritatives aux États-Unis, notamment dans le domaine de la santé mentale, un sujet cher à Harry et Meghan et au cœur de leur fondation Archewell. Cette initiative pourrait mettre les deux couples en compétition directe sur le sol américain. Des sources proches indiquent que Meghan Markle serait déstabilisée par cette nouvelle. Meghan a été surprise d'apprendre que William et Kate prévoient de développer leurs actions en Amérique, confie un initié. Elle a le sentiment qu'ils pourraient empiéter sur leur terrain, alors qu'elle et Harry ont travaillé dur pour établir leur présence aux États-Unis. Il est vrai que le prince William et Kate Middleton ont toujours manifesté un intérêt pour les questions de santé mentale. Leur engagement dans ce domaine remonte à plusieurs années, bien avant le départ de Harry et Meghan pour l'Amérique. Toutefois, l'idée qu'ils puissent intensifier leurs efforts aux États-Unis suscite des interrogations quant à l'évolution des relations entre les deux couples. Par ailleurs, Meghan Markle aurait le sentiment d'être mise à l'écart alors que le prince Harry participe à des événements majeurs sans elle. Elle aspire à être à l'avant-plan et non reléguée au second plan, explique la source. Cette situation souligne les tensions persistantes au sein de la famille royale, malgré les kilomètres qui les séparent. Alors que Harry et Meghan s'efforcent de construire leur propre identité et de poursuivre leurs œuvres caritatives, l'éventuelle incursion de William et Kate sur le même territoire pourrait raviver les rivalités. Les observateurs royaux notent que la santé mentale est un domaine où le prince William et Kate Middleton se sont largement investis, notamment avec l'initiative Heads Together, lancée en 2016 aux côtés du prince Harry. Cette campagne visait à sensibiliser le public à l'importance de la santé mentale et à briser les tabous entourant ce sujet. Leur intérêt commun pour cette cause pourrait être une occasion de convergence plutôt que de divergence. Cependant, compte tenu des événements récents et des tensions accumulées, il est compréhensible que Meghan Markle puisse percevoir cette expansion comme une menace pour les efforts qu'elle déploie avec le prince Harry. Leur fondation Archewell s'est concentrée sur la promotion du bien-être, de la compassion et du changement social, avec une attention particulière portée à la santé mentale. Le contexte médiatique joue également un rôle important. Les médias britanniques et américains ont souvent dressé un tableau contrasté des deux couples, alimentant les spéculations sur une rivalité croissante. Cette narration peut exacerber les perceptions de concurrence et rendre plus difficile toute tentative de collaboration. En outre, l'absence de communication directe entre les Sussex et le reste de la famille royale complique la situation. Les malentendus et les interprétations erronées peuvent facilement se multiplier en l'absence de dialogue ouvert. Une approche proactive de part et d'autre pourrait contribuer à atténuer les tensions et à clarifier les intentions. Les experts suggèrent que, plutôt que de voir cette démarche comme une concurrence, il serait bénéfique de considérer les possibilités de synergie. En combinant leurs efforts, les deux couples pourraient avoir un impact encore plus significatif sur les questions de santé mentale, touchant un public plus large
et renforçant le message d'importance de ce sujet. Finalement, le public âgé de 30 à 60 ans auquel s'adressent ces initiatives est de plus en plus conscient des défis liés à la santé mentale. Les efforts conjugués de figures publiques influentes comme les membres de la famille royale peuvent contribuer à une évolution positive des mentalités et à la mise en place de ressources efficaces pour ceux qui en ont besoin. Il est essentiel de rappeler que, malgré les divergences personnelles, l'objectif principal reste de servir le bien commun. Les actions entreprises par le prince Harry, Meghan Markle, le prince William et Kate Middleton ont le potentiel de réaliser de grandes choses si elles sont guidées par un esprit de collaboration plutôt que de compétition. Alors que l'avenir reste incertain, il est permis d'espérer que ces figures emblématiques trouveront un moyen de travailler ensemble ou, du moins, de respecter les efforts respectifs de chacun. En fin de compte, leur influence combinée peut être une force puissante pour le changement social et le bien-être mondial. Le monde observe avec intérêt ces développements au sein de la famille royale britannique. Les prochains engagements publics et les déclarations officielles, ou même l'absence de celles-ci, apporteront sans doute de nouvelles perspectives sur la manière dont ces relations évoluent. Pour le moment, il est clair que les questions de santé mentale demeurent au cœur des préoccupations des deux couples, et c'est en soi une évolution positive pour la société. En conclusion, il est essentiel de se concentrer sur les aspects constructifs de ces initiatives, que ce soit à travers leurs fondations respectives ou des projets individuels. Le prince Harry, Meghan Markle, le prince William et Kate Middleton ont tous démontré un engagement sincère envers des causes qui leur tiennent à cœur. Le véritable défi réside peut-être dans la capacité à dépasser les différents personnels pour maximiser l'impact positif de leurs actions sur le monde.